parole d'Israël. Voilà une grande question qui se pose. Une question qui est même, à mon avis, provocante, parce qu'elle ne nous laisse pas vraiment le choix. Soit on installe un endroit ou une atmosphère propice pour un dialogue interculturel serein, soit on tombe dans le conflit interculturel, dans le choc des cultures, et c'est la non-existence, c'est l'apocalypse. En fait, en tant qu'ethnomusicologue en formation, travaillant dans le département Transcultural Music Studies à l'Université de musique de Weimar, j'aurai mon petit mot à dire, ma petite contribution dans ce débat. Mais ça risque de basculer vers une sorte de cours magistral. Donc j'ai opté pour une autre option. J'aimerais aujourd'hui, en tant que musicien, en tant que bouddhiste, vous raconter une petite histoire. Une petite grande histoire, parce que je trouve cette histoire très intéressante et fascinante. Celle de cet instrument du oud. Voilà le oud. Bon, le mien il a maigri un peu, comme vous le voyez là. C'est pas, non mais c'est le oud électroacoustique. Ça c'est le oud acoustique. Donc le oud, c'est un instrument ancestral, un instrument ancien, un instrument qui existe en beaucoup de cultures musicales qu'on le trouve. Et de point de vue linguistique, vous remarquez bien que ça peut s'appeler Arabic lute, oud, laoud, al-oud, arabische laute, etc., etc. Donc remarquez, retenez s'il vous plaît cette idée-là. C'est un oud, c'est un instrument ancestral, un instrument, d'ailleurs c'est l'ancêtre de tous les instruments à cordes et à caisse de résonance. Au départ et à la base, cet instrument a joué un rôle et une fonction d'accompagnement. Je vous donne un petit exemple. Umketung, on connaît très bien Umketung, c'est la figure emblématique de l'école égyptienne. C'est Kaukabchat, c'est la diva. Eh bien, figurez-vous qu'elle avait un oudiste dans son orchestre, sauf que on n'entendait pas, ou peu. Ça m'a irrité. Mais c'est normal, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un instrument d'accompagnement. Et c'est même un instrument qui prépare le terrain au chanteur ou la chanteuse, parce qu'il faut savoir que la culture musicale arabe ou andalouse est vraiment centrée sur le chant. Le chanteur ou la chanteuse qui est mise en avant. Et en arrière, il y a le oudiste, le violoniste, etc. Donc je vous donne un petit exemple. Comment un oudiste, normalement, prépare le terrain propice pour le chanteur, pour que le chanteur commence à chanter. Donc il commence à faire une petite introduction, une petite improvisation, ce qu'on appellerait taxi. Ce serait ça. Et là, le chanteur écoute et dit, et là c'est là, wow. Et là il commence, il dit, yeah. Ah, vous remarquez bien que je ne suis pas un chanteur, c'est horrible, je vous promets que je ne répéterai jamais. Voilà. C'était juste pour vous illustrer ce rôle d'accompagnement de cet instrument. Mais ce rôle, cette fonction n'a pas duré longtemps, parce qu'à un moment donné, il y a eu une émergence bouddhiste, talentueux, virtuose, qui ont révolutionné la fonction du oud. On passe d'un instrument d'accompagnement à un instrument mis en avant, un instrument soliste. Imaginez par exemple, je vous donne un exemple, ça c'est Farid Atrash de l'Égypte. Avant qu'il commençait à chanter, Il faisait des improvisations. Mais à un moment donné, je me suis ouvert à d'autres cultures musicales. Je voulais savoir, je voulais étudier les codes, parce que les cultures sont régies par des codes. À travers la découverte,
entre autres de Paco de Lucía, qui m'a... Quand je l'ai entendu la première fois, je n'ai pas pu dormir. Et à travers lui, c'était comme une petite fenêtre à travers laquelle on découvre toute une culture musicale, celle du flamenco. Et puis Miles Davis qui m'a... Excusez-moi, à chaque fois que je dis Paco de Lucía, il faut que je... Ça me chatouille un peu. Donc, je vais jouer un petit extrait de Zierlier. C'est lui qui a donné un hommage, il a rendu hommage à Zierlier. Zierlier, c'est la figure emblématique de l'héritage mort dans la culture flamenca. Et voilà. Et ça m'a donné envie de faire ces métissages parce que j'ai vu ça sur scène des musiciens comme vous voyez là. Marcus Miller, par exemple, un très grand bassiste de jazz américain qui joue avec Bambo, un maître style Nawa, traditionnel marocain. Miles Davis, il avait cette capacité de fédérer, vous voyez, de fédérer des gens de différentes époques musicales et donner à chacun sa place. Chacun son propre, et c'était basé sur la communication, sur la liberté d'expression, etc. Tout ça, ça m'a influencé. Et moi, qui venais de cette culture arabe orientale, et qui jouais cet instrument-là, qui est chargé d'histoire, j'avais un conflit quand même, parce que j'étais d'un côté fasciné par cette transculturalité, par ce concept de transculturalité, je voulais coûte que coûte l'intégrer dans mon propre processus de création, et d'autre part, j'avais le goût. Donc comment j'ai réglé ce problème, à mon travail? Tout simplement, c'était intuitif, en utilisant cet instrument que comme moyen d'expression. Voilà. Donc, du coup, j'ai commencé, à faire des accords, par exemple, sur beaucoup de choses qui est un peu bizarre, qui n'est pas conventionnel. Genre... Eh bien, je commençais peut-être à parfois d'imiter cet instrument-là, le gabri, un instrument essentiel dans la culture nawa. C'est de transposer ces techniques dans mon jeu linguistique. D'un instrument d'accompagnement à un instrument pour soliste, récital, taxime, et puis la résolution, comment j'ai résolu le conflit que j'avais entre moi-même et en utilisant cet instrument comme moyen d'expression musicale transculturelle. Folkelhout.
Son écoute, je l'ai enregistré en Allemagne avec des musiciens venant de 5 nationalités différentes. Pas mal. Ça c'est la transculturalité. On est en plein 21e siècle, il y a plus d'élite, il y a la mondialisation. Et puis, à travers Talking Wood, à travers cet album, j'ai essayé de créer une sorte de changement de paradigme. L'omniprésence du Wood, ça ne m'intéresse plus. Maintenant, j'utilise le jazz en tant que philosophe, en tant que nouveau concept. Je ne prétends pas jouer le jazz, mais j'utilise ça pour comme base de communication des Wood, c'est-à-dire que le Wood, il prend sa place dans tout ce groupe-là, vous voyez, et il n'est pas obligé de s'exprimer tout le temps. Donc, première chose, c'est que j'ai essayé, à travers Talking Wood, de créer une atmosphère, un rôle particulier du Wood. Et deuxième chose, c'est d'intégrer cette transculturalité et dans la composition, et dans la fédération, dans le groupe même. Parce que, vous voyez, il y a Didier Delavilla à la contrebasse, il vient de France. Il y a Dimitri Chrysides de la Grèce. Il y a Karparov, Vladimir au saxophone, qui vient de la Bulgarie. Et puis Florian Zeller, le pianiste de l'Allemagne, et moi au milieu, sans oublier le special guest, le fabuleux Rani Trijan, qui est un grand percussionniste marocain qui maîtrise beaucoup de styles. Donc voilà. Je voudrais maintenant terminer cette présentation en rendant un hommage poético-musical, façon de dire que même dans les formes artistiques, il n'y a plus de limites. Donc c'est un hommage rendu à Salim Hilali. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, je vais jouer Hilalia, que vous trouverez aussi dans l'album Talking Wood, tout en affichant ce petit poème que j'ai tissé ou co-tissé avec mon ami poète El Bayrouni.